voilà. Je termine. Une vie de présidente. Retour à la vie. Normale. Nouvelle maison. Nouvelle vie. Enfin presque. Reprise de PDM et d'une autre vie. Souci, faut que je retrouve à apprendre ce que c'est le sentiment amoureux. Je sais apprécier des gens, mais aimer quelqu'un est plus compliqué. Et si je veux garder et vivre longtemps dans cette maison, il faudrait peut-être qu'un jour, j'essaie d'évoluer de ce côté-là. Mais bon, il n'y a aucune raison. J'ai réussi en tant que présidente, alors pourquoi pas en tant que femme? Qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Circulez. Et dégage. Voilà. Que serais-je? Ma vie. Qu'est-ce que m'attend le futur? Santana. Tu le sauras plus tard. Eh ben, faut que j'arrête de me parler à moi-même, sinon je vais finir par devenir folle. Allez, direction PDM. Je vais prendre la veste. Et de toute façon, ça va être une journée calme. Allez. Allez, Dana. Retourne en PDM. Tu me dis que ce que j'ai mis en place en notre présidente, ça a pas dû bien marcher. Ces citoyens respectent toujours autant les feux alors que j'avais mis que comme quoi c'était des salles de passage, qu'on devait au minimum s'arrêter, mettre le feu rouge et regarder là où on devait aller. Mais bon, ces cons citoyens. Ne changeons pas. Peu importe le président ou la présidente. De toute façon, voilà. C'est Los Angeles après tout. Et c'est pas parce que je suis plus présidente que je compte pas faire grandir cette ville davantage. La route de PDM.
fais passer un coup dans sur la voiture pour les rayons. Allez hop. Eh ben je crois qu'il y a une voiture qui. Deux voitures qui vont passer en promotion. Bonjour, mon PDM. Tiens. Prenez la voiture. Je me lâche très bien, tiens. Oh, et ben il reste plus qu'à attendre pour mes clients. Ouvrir. Et puis, moi, en attendant, je répare les promos. Contre vous, ça va les pieds sur le canapé? Bon, c'est vous qui avez sonné, du coup, j'imagine. Oui, c'était moi, j'ai sonné. Ok, venez avec moi. Entrez. Si. Un café, quelque chose à boire du coup? Non, merci, c'est grave. Ok. Qu'est-ce qu'il vous faut du coup? Je voudrais passer le permis. Ok, vous avez une pièce d'identité du coup? Oui. Oui, ne la montrez pas, vous avez fait votre pièce d'identité? Avez-vous fait votre pièce d'identité? Me la montrez pas, ne la sortez pas. Oui, je l'ai faite. Ok. Et vous appelez comment, du coup? Vous appelez comment? Nathan. Nom de famille? Hook, Alnia Hook. Ok, bon. Passer le permis. Je vais voir ce qu'on a comme véhicule. Du coup, votre code de la route américain, vous le connaissez ou pas? Oui, c'est moi. D'accord. Ok. Viens avec moi. Premier temps,
Je vais vous montrer les marquages au sol. Donc soyez bien attentifs. Et après on balancera un test de la route. Donc, pour le moment, la loi de salé de passage est toujours d'actualité. Et le jour où c'est plus d'actualité, prendre en compte le feu, là on est interdiction de tourner à droite, mais on a un virage. Voilà. Qui nous autorise bien sûr à tourner à droite. Là c'est rouge, mais vu que je tourne à droite, je suis encore autorisé à tourner à droite. Ici, rien ne change, c'est le passage, je regarde si personne. Voilà, et on avance. Et là, évidemment, il n'y a plus qu'à le permis du seul passage. Donc, globalement, on fait le tour. Je vais refaire un tour. De manière à ce que vous, comment vous allez devoir rouler. Voilà, il n'y a personne, donc j'avance. Il n'y a personne qui avance, donc j'avance aussi. Il est important aussi, regardez bien le marquage au sol, c'est une chose importante. Là, c'est pareil. Personne avance, j'avance. C'est compris pour vous ou pas? Ouais, c'est compris, c'est clair. Ok, on va refaire un tour et vous allez me dire ce que je dois faire. Personne qui avance peut tourner à droite. Vous êtes certain que personne avance? Et personne, c'est bon. Ok. Vous me dites, hein? Là, c'est bon, on peut passer. Personne. Là, cette route, c'est quoi du coup ce panneau? C'est deux passages. Bah, y'a personne, c'est bon. Là, on peut avancer. À la droite. Ok. Bon, maintenant c'est vous qui allez prendre le volant. Pendant. Il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, on va pas faire le tour de PNM, vous en doutez. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe dans un véhicule déjà? Avant de démarrer? J'ai toujours mon siège. Volant, rétroviseur, je m'attache, je aussi. Hop, voilà. Et normalement, on est prêt à partir. Ok. On s'attend du parking, on va tourner à droite. Et on va monter tout droit. On va monter tout droit, hein. Attention. Oui, et tout droit, on va monter tout droit. J'insiste bien sur le mot monter. Oui.
comme ça, vous êtes le fils de... d'Irina. C'est ça? Pourquoi? Vous le connaissez? Oui, je le connais. C'est ma maman. Oh, j'imagine qu'elle a déjà parlé de moi, c'est Anna Mitchellet. Déjà parlé de... Elle a parlé de moi en bien ou en mal? Bon, très bien, pour... Ouais. Bref. On parlera après. On se retrouve pour le permis. Nous commençons pas à se déconcentrer. Oui, éviter. Donc on va toujours aller tout droit. Je crois qu'inutile de... Je pense que vous êtes au courant qui j'étais avant de reprendre le PDM. Il y a quelques semaines. Pardon? Je pense que... J'ai pas compris. Je pense que vous savez qui j'étais il y a quelques semaines. Avant de reprendre le boulot dans le PDM. Oui. Vous avez vu en tant que présidente, oui. Ça va, c'était pas trop difficile. Non, ça va. Ok, donc là, on va aller tout droit. Au stade, on va aller à droite. Attention, cette route a potentiellement des nids de poules. Normalement, cette voiture résiste aux nids de poules. Mais pour n'importe quel véhicule, il vaudrait mieux les éviter. Alors attention à pas trop faire trop d'écarts dangereux. Ça c'est pas un nid-pôle, c'est une route qui a été mal rouchée. Un nid-pôle c'est vraiment un trou dans la route. Là par contre c'est un nid-pôle. Ouais, comme là à droite là. Ouais voilà. Donc on se tape à droite. Parfait. Maintenant écoutez bien ce que je veux dire. Dès que vous voyez un panneau stop, ça sera à droite. Si vous pouvez rouler à 25. En gros, vous pouvez un petit peu accélérer un peu plus. Hein. Même si bon, ici, il roule pas très vite, donc bon. C'est bien, conduite prudente. Continue sur cette route. Et pendant cela, je vais vous faire un rappel des vitesses. À moins que vous avez déjà lu les limitations de vitesse qui en vient là. Je sais que souvenir sur le parking, il fallait rouler ou pas. Non, c'est ça. Donc en ville c'est 50 mph, zone résidentielle c'est 30. Donc là on est en limitrophe en ville, donc clairement vous pouvez rouler à 30 comme à 50. Mais bon ici il n'y a pas trop le choix de rouler à 30, attention, puisqu'il y a beaucoup de virages. Les zones résidentielles donc 30, route, la route 68 c'est 60 mph, donc on max par heure. Les autoroutes c'est 80 mph, les chemins de terre 20 mph.
et les parkings. 5 miles par heure. Mais bon, en général, on est à peine à 3 dans un parking. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait dans un parking? Bah, on se gare. Voilà, on se gare ou on va récupérer sa voiture et on s'en va. Donc on va pas bien vite dans un parking. Non. Voilà. Vous avez déjà fait de la conduite accompagnée avec Irina, Ralph? Un petit peu, oui. Parce qu'elle est avec Irina, parce que papa Ralph, il met des voitures sportives. Là. Alors là, il y a un stop. Au prochain stop, on va tourner à gauche, on va prendre l'autoroute. Et attention, à partir de maintenant, je ne dirai plus rien. On doit arriver à PDM par vos propres moyens. Ah, ok, d'accord. Et attention, risque de grappling, il se met à pleuvoir. Donc on prend l'autoroute, bien sûr. Il s'est repéré. C'est pas bien compliqué. Mais c'est surtout que ça vous force un petit peu à vous concentrer un peu plus sur la route. Et surtout de vos temps d'orientation. Pas de chance. La pluie se ramène pour la fin du permis. Pardon? C'est pas de chance, la pluie se ramène pendant qu'on passait le permis. Ah bah, tant pis. À cause de la pluie, je vais peut-être le louper. Non, faut faire gaffe au risque de grappling. C'est juste que là, le temps de freinage va être réduit. Au lieu de 1 seconde à 2 secondes. C'est tout.